gen anpil bagay nan la vi kon pase e ke moun kon ap reflechi koman pou ki sa. Gen anpil moun ki panse ke yo gen anj protekteur, yo gen yon kote yo asyre yo. Bon, moun ki asyre yo nan bon Dje se diferan. Je di anpil rakonte yon istwa ki pase madame mwen, se tete, e bien, la rakonte li, men faut rester jusqu'à la fin pour qu'on ait qui s'accueille. On va saisir, tourner pour lever là le travail et puis pendant la pour retourner sur le travail qui s'accueille, comment ça arrive. Donc restez suivre toute histoire et puis pas oublier pour ce petit plus là ou bien follow nous pour capable gagner plus de histoire. C'est Esther. Qui s'accueille vous? Dis bonsoir à tout le monde qui regarde dans le moment ça. Et partager avec vous. Un témoignage, n'est qu'à dire que ça, bon Dieu, t'a fait moins. Et je dis merci, ma sœur. All right. Bon Dieu, fait un pile bagaille, même choisi ça comme mon bagaille, je lui dis merci. Je lui dis merci pour ça. Ok. Et un jour, je vais le travailler. Comme d'habitude, travail, je vais supposer pour 45 minutes pour me sortir la caméra, mais je vais là-dedans. Pendant que je suis sur le travail, je me sens que la machine m'a conduit à pas même gens encore. Je me sens que la machine n'a pas couru normal. Mais ça va t'empêcher que je me décampe, je continue à aller pour juste me arriver dans le travail. Et puis, le travail finit, je me retourne pour aller à la caméra, pour la machine. Il faut bien dire que c'est soit oui, c'est ça. Je conduis la machine. Et pendant que je conduis la machine, je me sens deux caoutchoucs machine comme si c'était dans votre machine. Il y a pas de deux caoutchoucs derrière ou bien? Deux caoutchoucs devant. Ok. Qui a pas de train dedans. Et puis même côté à me soirée, je descends, je vais arrêter soirée, je descends. Pourquoi ils sont descendus même? Parce que la machine là, c'était j'ai la courir, la tremblé, me sentir deux caoutchoucs. Pour peur arrêter soirée, pour si tu as fait un accident ou bien comme parce qu'on a supposé conduire à une vitesse 70. Ok. Pendant ce temps, je ne vais pas courir à vitesse parce que deux caoutchoucs à entrer dans la machine, je me sentir pas normal. Et même côté là, mais il faut me dire que depuis que je suis allé, je prie. Parce que je me sens que la machine est là, je me demande de bon Dieu protection. Comme je suis la prière, je me toujours aimé faire, c'est dire Seigneur, même qui mécanicien, passe maintenant la machine comme bon chauffeur pour volant. Je me fais prier ça, ni je suis allé, ni je suis retourné. Et puis je suis retourné, je me garde la machine, je la courir pas normal, je descends à l'ouïa. Avant, exit, je descends, je descends avant. Okay. Et puis, bon Dieu fait m'entrer, je prends route là pour m'ouvrir. Mais comme tout ça, mon moment ça a été un petit genre difficile parce que tu es serré la pluie tout le temps. Tu es serré la pluie dans mon moment ça. Et puis, je suis arrivé avec la machine là, quand je suis parti là. Mais ça me dit que je suis battu le chauffeur qui est en bas. Il y a un chauffeur à peine. Chaque fois que je rentre, je suis toujours tourné vers le bac juste pour me carrer pour le parking bien. Juste parce qu'on était toujours aimé parler, vous ça a dit, je ne vais pas parler. Quand je suis rentré pour me retourner faire back, la machine a dit non, il n'y a pas fait back. Je fais un pile d'efforts, ça va marcher. Il était comme monsieur qui était campé beaucoup de temps dans la machine, il m'a service. Il est venu tout lui-même pour faire machine. Faire back, la machine n'a pas de café. C'est le ça. Des séries lourdes, on nous met montre la machine, on fait le travail, on nous montre la machine, tout ça me fait, bah lui fait back. Et puis on a entendu le mécanicien, mais le mécanicien ça a deviné, il était fait baisser pour me garder en bas machine, il était posé mon question, il dit m'a besoin de demander qui ça va servir parce que nous étions connus, c'est bon Dieu va servir, il dit ou de toujours prier bon Dieu là. Pour ça bon Dieu fait pour vous. Il dit dans cette circonstance, dans situation machine là, il y a ou pas de gueule arriver là sans faire gros terrible accident. Il dit oui, il dit viens garder. Il dit ouais, deux bails ça qui relie les deux carrosseries, il relie taille wood. Il dit tous les deux cassés. On pas qu'à prendre machine là pour me sortir pour me sortir dans travail avec descendre highway. Il dit que les m'a travail, les m'a virer dans un carrefour. Il dit machine là supposé chavirer parce que machine là taille wood machine là qui pourrait des carrosseries virer ou pas. C'est pas la balade. On y a eu ça des femmes décès. On garde ça et puis après ça mécanicien est venu. Ça c'est un témoignage, ça bon Dieu fait moi, moi connaître bon Dieu fait un pile bagaille pour moi. Ouais parce que et songez bien que dans Psaume 34 verset 8, psalmiste a dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc l'on observe bon Dieu,
lorsque serviteur et servante de Dieu, dans quel que soit problème pour arriver mal, le pour arriver sur tout bon Dieu qui est campé, il racheté. C'est pour toujours songer ça à tout le monde, pour ne pas jamais oublier que l'Éternel là pour le protéger. Et dans verset 19-20, je crois. Il dit qu'on sait, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel a délivré toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc, même si malheur arrivé, même si accident arrivé, bon Dieu a gardé. Des fois, on a eu un monde qui fait accident, on ne sait pas comment l'a sauvé. Mais bon Dieu, mettez des hommes. Je me souviens, le soeur Steve ou bien Marc, qui a fait accident, machine, fait plusieurs ou le craser. Tout le monde connaît. Petit la mourir, elle vient sur scène, il dit, petit la mourir, perdu, le tobé relève. Il dit non. Ces garçons pas gagné. Ils sont ils courent à l'hôpital avec le pas gagné parce que bon Dieu l'a servi, c'est un bon Dieu qui vivant. Donc après expérience accident ça c'est ou comment ça tu viens pour conduire machine après ou bien non pas faire non parce que ça fait pas faire moi j'étais coué et c'est bon Dieu qui fait moi j'étais coué tout ça c'est bon Dieu qui mène qui te mène me conduit mène la carrière pas peur pas j'aime peur et ça qui est important même si m'a fait au chemin qui on m'aille, toujours fait prier ça. Je lui mets combien mal à me dire, quand elle me dit, bon Dieu, il s'est mécanicien. Exactement. Il a passé maintenant la machine là, et puis il s'est bon chauffeur à la formulaire, ça fait pas peur. Amen. Donc, ceci autant d'histoires là. Donc, si nous racontons une histoire, nous, ça nous passe. Ça senti, ces petits points sont irrigués. Yeah. Ça qui est important, c'est que bon Dieu, pas nous, on est toujours là, ni dans le gros bagage, ni dans le petit bagage. Non, petit bagage, dans quel que soit l'examen. Il vient de me rentrer dans la salle d'examen, bon Dieu, avec moi. Je vais faire un test médical, bon Dieu, avec moi. Je vais faire un test examen, je vais le prendre. Bon Dieu là, petite la levé, li a mangé ou mettez mes sous le prier, bon Dieu là. Dans toutes circonstances, bon Dieu là avec nous. On a toujours besoin de faire bon Dieu confiance. On a besoin de faire bon Dieu confiance. Inviter la toute bagaille. Inviter bon Dieu dans toute bagaille. Pas dire ça trop petit pour pas éviter bon Dieu ou éviter bon Dieu dans toute bagaille. Je me rappelle que papa, c'était on a quitté qu'on invite mon Dieu dans tout le bagage. Mais on pique la chandelle de piquer, on met les mains, on va retirer la voix pour prier parce que là, on invite mon Dieu dans tout le bagage. Et peut-être là, ça a l'air de dire que nous pensons que, ah, comme on a nuit là-bas, nous sommes piquants, c'est retiré pour les piquants. Mais lui-même, peut-être, il voit plus que ça. Parfois, nous, quand nous sommes pesés piquants pour nous retirer tout parce que. Nous connaissons le balbon temps pour la prière, pour chercher les peines. Donc nous évitons tout problème. Ça, nous évitons essayer contre nous et puis ça va sortir. Nous avons la poter le balbon. Nous avons la poter le balbon, nous avons fait prier. Nous avons la prière parce que nous avons les peines en ouéa. Ou pendant la légère, nous avons les peines en cafoué dans mon sac. C'est qu'à cause de notre problème. Je me sens malade, papa. Il y a même un cas docteur. C'est quand tu veux un bas jambon, ça me dit environ 10 ou 11 ans. Et puis il y a même tout côté, un cas docteur. Docteur Malé dans plusieurs dispensaires dans la communauté. Et puis, nous ne pouvons pas jouer. Il a dit pas gagné. Tout va gagner. Ce matin-là, défense n'est pas gagné, ça le gagne. Alors, on est ce matin-là, tout le monde dit Franklin. Franklin va gagner, ça le gagne. Il n'est pas gagné, nous ne pouvons pas la carrière avec. Mais tout le monde dit pas gagné, mais il est venu la carrière mourir. Et papa me dit un jour, il dit mon jour, il m'a dit pop, il prend même. Va venir alimenter dans la chambre, il fait n'importe la vie. Laisse la gagne là. Tout est pris. Je ne me fais mal, je me sens ennuyé. On était là. On ne pas qu'à lever, mais on était là. Et puis après, prier là, monsieur à terre, quand il me dit à genoux, il me dit un petit banc, m'appuyer sur le lit, monsieur, et puis dormir tout prendre, lever, me lever. Guéri. Donc, à 10 amis, il faut que vous croyez dans bon Dieu. Comptez sur bon Dieu. Comptez sur bon Dieu avec petit tout, madame, Marie. Comptez sur bon Dieu avec machine, non, qu'on gagne, c'est bon Dieu avec Baoul. Kaila, c'est bon Dieu qui baoul. La croix, c'est bon Dieu qui baoul. Quel que soit son gain, très cheveux dans tes tout, c'est bon Dieu qui baoul. Donc, on a besoin de compter sur bon Dieu dans n'importe quelle circonstance. Prier, même Jean, apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, prier sans cesse. Dans tout le bagage, évitez bon Dieu. Bon Dieu bénis nous. Suivez-nous pour plus d'histoires comme ça. C'est un plaisir pour nous tous ensemble. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Bon Dieu bénisse nous tous. Bon Dieu bénisse nous. Alléluia.